On va leur montrer à Jockey c'est qui le patron, et puis surtout, on va finir ce putain de monde. Eh bien, salut tout le monde, c'est Tutur l'Esprit. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clonoa, épisode 17, avec la fin du niveau de ce temple. Là, je me suis préparé. Clonoa est au niveau 36. Et par contre, Falgon est au niveau 35. Mais rassurez-vous, je vais faire en sorte d'entraîner Palgo. Et cette fois, on va leur préparer, on va leur régler un compte à ce putain de jockey. Allez, c'est parti! Alors. Non, pas toi. Désolé, les clones, mais ce n'est plus ton tour. Désolé, mais il va falloir s'y faire. Alors. Ah oui, pour ceux qui ont oublié, ça c'est l'attaque spéciale de Palgo. Je dis ça, je voulais juste vous mettre au courant. Je sais que vous l'avez déjà vu, je sais plus si je vous avais montré lors des derniers épisodes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va la... c'est que je vais réussir ce niveau. Oh! Oh, trop cool! Ah ah, j'ai mal. What? Oh yeah! J'ai encore oublié de prendre l'item! Oh là là, c'est pas vrai! Ouais, j'en ai combien? Ah, ça devrait suffire. Hein. Oula! Non! Non mais il en est hors de question que je laisse faire, hein. Que je laisse rendre mes cristaux à la voix. Hein. Enfin, surtout le gros là. Et c'est la sortie. Est-ce que c'est toi qui as la clé? Non, c'est pas lui. Alors c'est qui? Est-ce que ce serait notre très cher papy, enfin, notre très cher montre avec des ailes? Je sais pas.
Ah! En fait, ça mène à au téléporta. Oh! 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 Non! Il s'est enfui! Merde! C'est pas grave, au moins j'ai quelques expériences. Ok, très bien. J'ai peut-être réussi à avoir beaucoup plus d'expérience et... Ah, il est là, la clé en argent. Donc je sauvegarde parce qu'on sait jamais. Alors pour cet épisode, non, je vais pas utiliser d'item. Non, pas pour augmenter la difficulté, mais pour économiser. Oh! Oh non! Oh non, il est dans le pétrin! Oh non! Je sais que d'habitude je n'ai jamais utilisé cet item, mais là je n'ai pas le choix. Je vais devoir prendre celui-là. Je sais, j'avais dit que je vais pas prendre d'item, mais. Bah, c'est le jeu, c'est à cause de lui. Si je suis dans le pétrin. Oh là là. Bon, j'exagère, je suis un peu méchant avec le jeu. Comme je l'ai dit, il est très bien, mais il est assez dur quand même. Enfin, il est très dur. Enfin. Assez dur, quand je dis assez dur, bah ça dépend du niveau de personnage, comme Fango, Clonoa ou quoi que ce soit. Tiens, une clé en argent. C'est un très bon présage. Là voilà. Ah ah! Attends, je vais voir si je peux faire avec Clonoa aussi. Et voilà. Et voilà. Ah, la clé en or. Oh ouais. Présentiment. C'est quoi leur spécialité en fait des rouges? Je sais pas moi. Oh yes! Falco est de niveau 36 maintenant. C'est une clé en argent. Donc ça n'arrange pas beaucoup en fait.
Ah ah! Hein? Pourquoi est-ce qu'ils se sont disparus? Je comprends plus rien là! Là, on est à 10 minutes. Je sais pas si je vais bientôt finir ce niveau. Et je sais pas si ce serait le plus court ou bien le plus long. Ah oui, il n'en manque plus que ça. Et voilà la clé en argent. Je vais pouvoir y accéder. Sauf que... Ok, là... En fait, vu que étant donné que mes deux personnages sont au niveau 36, je fais plus attention à eux. Je n'ai plus qu'à avancer sur le niveau tranquille. Faut juste faire en sorte que la barre ne soit pas trop bas. Évidemment, il y a quelqu'un qui dérobe mon. Vous êtes que des dégueulasses en fait. Vous avez osé me dérober mon attaque spéciale et là il y avait des monstres en métallique. Et j'ai une clé en argent. Joie. Et ça compte. Ah! Attendez, je crois que c'est... Oh non. En fait, il voulait parler de l'antidote, pas plus de... Oh là. Évidemment, je dois devoir affronter des monstres. Et voilà la clé en argent. C'était assez facile, je dois admettre. Surtout que je suis au niveau 36. Ah, là par contre c'est... C'est assez dur. Et voilà la clé. On va se téléporter vers... Non, ne pite... Non. Bon, heureusement que... Raison de plus pour que je m'entraîne jusqu'au niveau 36. Raison de plus, quoi. Est-ce que je serai devin? J'ai vu sur une vidéo YouTube, évidemment. Non, 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 j'ai pas... Enfin, non, 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 je suis pas devin. Non seulement j'ai découvert sur YouTube, mais bien avant, j'ai joué à ce jeu avant, comme je vous rappelle, comme je l'ai dit, je vous l'ai dit. Et la première fois que j'ai joué à ce jeu, je me suis galéré à y jouer, sérieusement. Mais maintenant que je me suis bien préparé, je me galère moins, en fait. Et voilà la clé. Ah.
Mais arrête de la martyriser! Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Oh mon dieu, il est devenu géant! Bon, allez, c'est parti! Alors, d'abord, il faudrait un peu nourrir nos personnages parce que. On peut pas y arriver comme ça. Allez, c'est parti! À nous deux! Tu vas voir de quelle voix je veux chaud! Allez! Ah! Il s'est téléporté, merde! Alors. Je crois que j'ai une bonne technique en fait. Ça devient très simple. Merde, il est trop loin. Alors, fais-moi le malin. Yes! Ouh. C'était très facile, mine de rien. Surtout quand je suis au niveau 36. Joie! Juste joie! Et voilà, maintenant tu vas nous rendre Lolo, espèce de petit con. Non, non, pas cette. Non, non! Il s'est... Ah ! Oh non ! On n'a pas pu réussir à sauver Lolo ! Eh merde ! Déception. Encore ! Non mais vraiment, je vous jure quoi ! Oh, c'est pas la peine de l'engueuler, hein. Ah, Palgo, ressuscite-toi, il y a encore une chance. Ah bah voilà. Vous êtes enfin mis à vous entendre. Ah, passons au monde 5. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça devient moins dur que les autres précédents? Non, parce que je vous rappelle que plus on avance dans le jeu, plus ça devient dur. Par contre, j'aime bien ce niveau en fait, parce que la musique est géniale en fait. Et surtout les décors sont respectent bien le thème d'usine quoi. Oh le revoilà, notre très cher ouvrier.
retour. Enfin, il n'est pas de retour de notre équipe. Alors voilà. Oh. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cet abri? Non, non. Tout est inutile. Je les jette. Oh, oh, oh. Par contre, celui-là, je vais l'acheter pour lui. Ainsi que celle-là. Moi, je sais pas. Bon, allez, je vais l'acheter. Eh ben, c'est encore plus cher que d'habitude. Quoi? Attends! Ah, non, non, non. Rassurez-vous, je vous ai mis illusions. Alors... Malheureusement, pour le moment, il n'est toujours pas dans notre équipe, nos très chers Gunz. Malheureusement. Quoi? J'ai acheté ça? Qu'est-ce qui m'a appris de faire ça? Allez, je vais jeter des trucs qui ne servent à rien. Bon ben, et je vais acheter des items cette fois-ci. Bon ben, c'était l'épisode avec le putain de Jockey. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Ça voudrait dire que le Guns pourra peut-être rejoindre notre équipe, si bien sûr il va finir par nous entendre. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement Lolo est toujours en otage. Mais cela nous présente une très bonne avenir, hein, pour le prochain niveau. Hein. Bon, pour la première, on va commencer avec Guns, parce que ça faisait un beau temps qu'on n'a pas joué avec Guns. C'est une façon de dire. Sur ce, ciao ciao!